Et yo les potes, c'est Dako, j'espère que vous allez bien. Moi c'est le cas, forcément, parce qu'aujourd'hui c'est ouverture de cartes Naruto Kaiu, les cartes Naruto officielles en Chine. Et aujourd'hui on va ouvrir une display du coup de la série 2 version 5-1. Et dans cette display, à partir des cartes UE, on peut obtenir la numéro 1, donc c'est celle qu'il me faut, jusqu'à la numéro 40. Donc normalement je n'aurai aucun doublon, j'espère en sortir une, pourquoi pas la numéro 40. Pour les spéciales portraits, les SP, on peut obtenir à partir de la numéro 17 jusqu'à la 19. Si on en a une, on veut bien sûr la Kakashi. Pour les OR, l'une de mes raretés favorites, on a du coup jusqu'à la numéro 1 et ça va jusqu'à la 36. Donc normalement, ce sera pas un doublon. J'espère qu'on en aura une quand je vois la Obito numéro 29. En vrai, elle doit être incroyable. En ce qui concerne les absolutes rares, donc les AR, on peut obtenir la AR numéro 1 jusqu'à la numéro 24, donc ça tombe bien, j'en ai aucune. Et là, si on a pas mal de chance, en termes de mémorial rare, les cartes MR, on peut obtenir à partir de la numéro 9 jusqu'à la numéro 12. On veut la Itachi si on sort une MR, mais bon, les autres sont quand même stylés. Et là, bien sûr, si on a vraiment beaucoup, beaucoup de chance, on peut obtenir une carte NR de la numéro 1 jusqu'à la numéro 6. Au moins, vous les voyez. La particularité de cette display, c'est qu'on va obtenir des petites cartes Chibi pendant toute l'ouverture. Du coup, les TR, c'est de la 1 jusqu'à la numéro 36. Et pour les TGR, ce sera de la 1 jusqu'à la numéro 24. Au moins, vous savez les cartes qui sont garanties. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, la team Naruto Kaiu, je compte sur vous pour fracasser les pouces bleus. Pensez à vous abonner avec la cloche de notification, parce qu'il y aura encore du Naruto Kaiu. Et puis c'est parti. Donc on est parti pour le premier booster. Cette fois-ci dans cette display du coup il y en a 20. On va voir ce qu'elle nous réserve. Donc il n'y a pas un hit qui est assuré dans chaque booster. Donc on va voir c'est quand qu'on drop le premier. Ok, Temari, je crois que je l'avais pas. On commence avec les TR. Donc c'est les petites cartes transparentes de cette display. Oh, c'est une TGR celle-là. Donc c'est l'équivalent du NCSR peut-être. Ok. Peut-être que c'était le hit de ce booster, je crois. Donc, on va regarder la dernière carte. Qu'est-ce que c'est? Ok, c'est la R. Et le deuxième booster, alors, faut me chauffer. Faut voir un petit peu comment on ouvre ces cartes. Est-ce qu'il faut mettre les trois dernières? Est-ce que c'est toujours la deuxième, le hit? On va voir. C'est les premiers boosters. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert du Naruto Kaiu. Ok, donc, ouais, c'est TR, celle-ci ou TGR? On va regarder. Ok, celle-ci, c'est une TR. Donc, c'est pas le hit, mais c'était la deuxième carte. Par contre, voilà, il y a la R. La petite AR d'Itachi. C'était la troisième carte et du coup, il faudrait que je prenne les deux dernières et que je les mette devant. Mais elle est très très belle la Itachi. Hein. Je sais pas si vous allez bien la voir, mais c'est une AR goldée. Mais je l'avais pas, je crois, donc ça va être directement dans la collection. Et les deux dernières, du coup, c'est des R. Allez, troisième booster et cette fois-ci, ça va aller vite. Parce que bah forcément, il y a que 20 boosters, donc ça fait plaisir d'avoir eu Itachi. Donc on va prendre les cartes en main. Je vais prendre les deux dernières cette fois-ci. Hop. Ok, il y a quelque chose. Bon, c'est mieux que rien. Allez, il y a la petite Sakura, je suis même pas sûr de l'avoir celle-ci. Lui non plus, je suis pas sûr. Elle, je l'ai. Donc il y a une SR, il y a une SSR aussi. Il y a la petite TR, on va regarder. Et la petite SSR de Sasuke. C'est vrai que dans l'intro, je vous ai pas montré les SSR. Comme ça, on les découvre directement. Mais c'est des SSR que j'ai pas. Hein. C'est les toutes premières, donc ça fait plaisir. Quatrième booster, et pour le moment... ça drop plutôt bien, ça drop plutôt bien. Regardez, on a eu Itachi, on a le Sasuke, on a les frangins côte à côte. Peut-être que c'est une display où il y a les MR, hein. Peut-être que ça va nous porter chance. Donc je vais reprendre les deux dernières cartes. D'ailleurs cette SR je crois pas la voir, donc ça fait plaisir. Voilà, on se met comme ça et on part pour l'opening. Allez, Kankuro R. Ensuite, celle-là je l'avais pas en SR donc c'est cool. La carte transparente et elle nous cache une belle surprise je crois. Parce que du coup, ce serait une petite SSR de Sakura au tout début. Pareil, c'est une carte SSR que je n'avais pas. Donc la collection se remplit petit à petit. Cinquième booster et j'ai une petite TGR de Minato. Mais vous inquiétez pas, je montrerai tout ça dans le récap. Normalement, ok. Donc on va continuer de prendre les deux dernières cartes. Et j'ai l'impression que j'ai plein de nouvelles SR, hein, ça me dit rien. Bon, on verra dans tous les cas, je vais remplir mon petit G-Doc. Allez, hop. On met bien, Kakashi, ok c'est bon, il y a le focus, allez, on a vu quelque chose, voilà, on a vu quelque chose, ok, il y a la petite carte transparente qui nous spoil du coup, ce sera la carte OR, de Rock Lee. Je vais essayer de bien vous la montrer avec le focus, pour qu'il se fasse, mais vous savez ce que je pense des cartes OR, hein. Elles sont magnifiques là, les petites veines et tout en effet goldé. Ça fait plaisir, ça drop. Sixième booster et ça va être compliqué de faire mieux en deuxième partie parce que là on a des Lover, AR, SSR, TGR. Donc qu'est-ce qu'il a ce sixième booster? Ça va être une petite Kankuro mais bon faut mettre les deux dernières. On va les mettre devant mais j'ai l'impression soit je redécouvre les cartes, soit c'est vraiment des nouvelles que j'ai pas. Hein. Mais en même temps c'est les premières séries. C'est les premières séries donc forcément. Ok, Jugo,
Ok, on continue. La troisième plus, la petite TR normalement qui est juste ici. Je vais essayer de vous la montrer. Et c'est quoi? Du coup, c'est pas une TR, c'est pas une TGR. Et la petite dernière, c'est la Gaara UR. Incroyable avec le démon derrière ça, la main du démon à queue. Oh là 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 là, mais on se régale dans cette première partie. Oh, j'adore la couleur rouge comme ça. Septième booster, c'est parti. On va essayer de faire mieux. Franchement, je vous le dis, là, ce qu'on est en train de faire en première partie, c'est vraiment une dinguerie. Oh là, mais il y a tellement de nouvelles SR que j'avais pas, je suis trop content là. Oh là là, mon petit Jedha qui va se mettre bien. Je vais essayer de prendre la dernière. Voilà. Allez, c'est parti. Ok, la deuxième c'est Choji. La troisième, elle veut pas partir. Ok, c'est bon. Le père de Shikamaru. Et la petite TR qui va nous cacher une UR. Mais attendez, c'est une dinguerie! C'est un hit par un booster ou quoi? On les a tous. Le focus, il va pas se faire. Voilà, c'est bon, là, vous voyez bien. Et c'est celle que je voulais pendant l'intro. C'est celle que je vous dis pourquoi pas celle-ci. Et elle est tombée. La carte, elle est magnifique. Huitième booster. Et pour le moment, ça va être un record impossible à battre parce qu'on fait tomber toutes les raretés. Hein. Il y a toutes les raretés qui est tombée. Ça va être très très dur de faire mieux dans la deuxième partie. Il y a la OR, l'AR, l'AUR, les SSR, les TGR qui sont déjà tombés. Qu'est-ce que ça va nous réserver en deuxième partie? Allez, on commence du coup. Celle-là, c'est des cartes que j'avais déjà. J'arrive à m'en rappeler tellement on les a drop mille et une fois. On passe à la TR. Et non, ça y est, il n'y aura pas de SSR derrière. Donc c'est une petite TGR quand même de Pain. Et plutôt sympa. Après, c'est des cartes chibi, des cartes transparentes. Mais il me les faut pour la collection. Neuvième booster. Bon, là, je pense qu'il nous reste les boosters où il n'y a pas grand-chose dedans. Parce que là, c'est vraiment une dinguerie. En 9 boosters, tout ce qu'on a drop, c'est incroyable. Donc, on va prendre les deux dernières, voilà, comme ça. Hop, ok. Mizuki en première carte, suivi de Sakura pour la deuxième. Pour la troisième, ce sera Denzo. Et après, on passe sur la petite TR ou TGR avec une petite R derrière. Donc, ça y est, on a les boosters normaux, je vais dire. Sixième booster, et c'est le dernier de la première partie. On va voir ce qu'il nous réserve et ce qu'il peut nous régaler ou pas. Mais déjà, cette première partie de display, franchement, elle est incroyable. La petite AR, la petite UR, OR, franchement, ça régale. Allez. Est-ce qu'on peut avoir un gros hit, une petite MR dans cette série 2? Allez, on va commencer avec le Sasuke. Double Sasuke qui porte chance. Ok, Shikamaru SR avec la petite TR, bien sûr, qui va nous montrer s'il y a, y a quelque chose et il y a bien quelque chose derrière. Donc, ce sera la petite Kakashi qui fait son Chidori que je n'avais pas, il me semble. Celle-ci, en tout cas, elle est plutôt stylée parce qu'il a ses... Il a ses deux yeux cette fois-ci. Allez, 11e booster et c'est le premier de la deuxième partie de cette display. Franchement, quand on voit toutes les cartes à droite, qu'est-ce que ça nous réserve? J'aimerais bien une petite MR, hein. Je vais pas vous mentir, mais déjà en termes de SR, je trouve qu'il y a beaucoup de nouvelles. Ça fait plaisir en tant que collectionneur. Allez, on va commencer. Première carte, deuxième carte, hop, la troisième que je n'avais pas, c'est sûr et certain. La petite TR qui nous cache quelque chose de sympathique, je crois. On va regarder. Et c'est la petite Hinata en SSR que je n'avais pas. Elle est super belle. Par contre, l'effet bleu qui est derrière... Elle est incroyable, je suis content de l'avoir celle-ci. 12e booster, et du coup il y a eu la petite TGR de Naruto que vous voyez. Donc qui est plutôt pas mal. C'était le booster Naruto Hinata. Franchement je suis plutôt content de cette display pour le moment. Je trouve qu'on a pas mal de chance. Mettre les deux dernières cartes devant. Hop, et c'est parti. On commence, hop, la R. Ensuite la carte numéro 4, ça va être la TR. Est-ce que derrière la TR il y a quelque chose? Il y aura bien quelque chose, est-ce qu'on voit les effets? Et ce sera... Une SSR de Rock Lee, donc après son Sauer forcément un petit peu moins bien, mais elle est quand même stylée avec une sorte de tsunami derrière lui. 13e booster et on se rapproche petit à petit de la fin, parce qu'il n'y en a que 20 dans la display, donc forcément. Allez, une petite MR s'il te plaît, là ça mettrait bien. Qu'est-ce que je kiffe les vidéos Naruto Caillou, ça fait super plaisir, étant donné qu'on n'a pas de gacha sur les téléphones. Bah, j'achète des petites cartes un petit peu tous les mois pour vous proposer ce contenu. Ok, donc là la deuxième, la troisième... Et la petite TR, bien sûr, qui va rien nous cacher. Ce serait une R. Est-ce que c'est une TGR? Je crois que c'est une TGR. Hop, je vais vous la montrer. Petite Sasuke avec ses deux Sharingan en TGR. Pourquoi pas. 14e booster. Et après, ça va être très, très compliqué. Allez, là. J'y crois toujours pour la MR. J'y crois toujours, mais pour le moment, je suis très content. En fait, je suis content parce qu'on a eu des Itachi, des Sasuke, des Hinata. C'est des personnages que j'apprécie. On a eu Kakashi. Il ne manque plus qu'un petit Jiraiya. Allez, on commence Sasuke, Sakura, troisième carte, et ensuite il y a la petite TR normalement. Est-ce qu'elle nous cache quelque chose? Et j'ai pas l'impression. Non, ce serait une petite R. Et du coup, c'est une petite quand même Toby en TGR, plutôt sympathique. 15e booster, et après celui-ci, du coup, il en restera plus que 5.
Allez, s'il te plaît, là. Oh là là, il est dur à ouvrir. Il a été dur à ouvrir, j'espère qu'il y a une petite MR dedans. Ça m'aiderait bien, mais bon. Vous connaissez la légende, elle a été démentie sur cette chaîne. Vous le savez d'ailleurs, vous avez une playlist, hein, Naruto Kaiu, si vous voulez voir toutes les ouvertures. Allez, la carte numéro R, la numéro 2, la troisième, qui est ensuite par la TR. Et il y a quelque chose derrière, je crois. Je crois qu'il y a quelque chose. Et en effet, Sarutobi UR verte que je n'avais pas. Est plutôt stylé, donc c'est au tout début, hein. C'est le premier épisode de son design, c'est bien ses premiers arcs. Donc pourquoi pas. Deuxième, et après, il n'y en a plus que 4. Allez là, j'y crois toujours. En tout cas, là, pour la collection, ça m'est bien. J'ai quand même pas mal de nouvelles SR, pas mal de nouvelles R. Je le vois depuis tout à l'heure, donc ça c'est cool. Ok, Sakura, Iruka, ensuite le père, ok. Et là, la petite TR qui va nous cacher encore quelque chose derrière. Et encore Sarutobi, mais par contre, cette fois-ci, il fait la technique là qui a été apprise. Incroyable. Ah, franchement, j'aime beaucoup. Hein. Je sais pas si vous allez bien voir, mais franchement, j'aime bien. 17ème booster. Allez, j'y crois. Il y a de moins en moins de boosters, mais j'y crois toujours. Oh, je l'avais pas celle-ci. Je crois pas. Ou peut-être, ah si, on me l'avait donné celle-ci, je viens de m'en rappeler. Ok. Mizuki. Hop, c'est bon. Normalement, la dernière carte, ce sera le hit s'il y en a un. Troisième, quatrième qui est la TR. Est-ce qu'elle nous cache quelque chose? Et non, je crois que ce sera juste une SR. Et ce ne sera pas une TGR non plus. 18ème booster. Allez là, s'il te plaît. Hop, on ouvre. Ok. Hop. Je vais mettre les deux dernières. Tac. Ça. Fait. Hop, c'est bon, vous avez rien vu. On n'a rien vu. Hop, le crapaud, première carte. Deuxième. La troisième, suivie de la petite TR ou TGR qui va nous cacher quelque chose. Elle nous cache quelque chose de grand. Quelque chose d'incroyable. Elle est trop belle. Je l'ai dit dans l'intro que je la voulais en plus. La Obito OR, elle m'avait choqué quand je regardais le Google Doc. Et là, à drop, franchement, je pense que c'est ma OR favorite hein, de ma collection. Elle est trop belle avec les effets du cathode en doré. Franchement, c'est celle-là que je voulais. Je suis trop heureux là. Avant dernier booster, et là ça va être très 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 compliqué de passer. Même regardez le cadre, la Obito, on la voit direct en bas. Ça pourrait être un poster, un fond d'écran, tout ce que vous voulez. C'est l'une des plus belles cartes que j'ai, je pense. J'aime trop. Franchement, c'est super cool. Je trouve que là les cartes ça rend bien là. Ok. Allez, il faut se concentrer quand même. La troisième, suivie de la TR. Est-ce qu'elle va nous cacher quelque chose cette petite TR? Je crois que oui, elle nous cache quelque chose. Elle nous cache, oh là là, encore une UR de Tobirama, incroyable. Ça y est, le focus, il s'est fait. En plus, je l'avais pas, c'est un bête de perso, donc je suis super content de l'avoir. Et pour le dernier booster, allez, ça va être très dur de passer après toutes ces belles cartes. Mais bon, c'est le dernier booster, on sait jamais. Peut-être qu'il y a une petite MR qui nous attend, on ne sait pas. Ok, je vous mets les deux premières cartes devant, et c'est parti. C'est parti. La deuxième numéro, la troisième, suivie de la petite TR, est-ce qu'elle va nous cacher quelque chose? Elle nous cache quelque chose encore, hein. Elle nous cache quelque chose, et qu'est-ce que c'est? C'est la Rock Lee, qu'on a eu du coup tout à l'heure, premier doublon pour le dernier booster, mais on a eu des super belles cartes, hein. On va faire le récap, parce que là, il y a de très belles choses à vous montrer. Donc, on commence le récap avec les SSR, le Rock Lee que j'ai eu deux fois, plutôt stylé, le Kakashi avec son Sharingan qui est ouvert. Ok, maintenant, celle-ci qui est plutôt stylée, j'aime beaucoup les couleurs, mais après c'est du Naruto Kaiu. Hein. Ok, la petite Hinata, qui est ma favorite de cette ouverture en tout cas. Hop, le Sasuke qui est plutôt stylé aussi dans son genre. Et la Sakura avec les cheveux longs, que j'ai pas mal apprécié, après c'est les SSR. Voilà, c'est les SSR donc forcément. Puis maintenant les UR en commençant par la petite Gaara avec la main de son démon, très très belle aussi. Ok, la deuxième, c'est celle que j'avais dit en intro qui a fini par tomber, la petite Obito, donc je suis super content. La troisième, forcément, je suis super heureux. Il y a peut-être un petit peu trop de lumière, non, c'est bon, vous arrivez à voir. Et pour la dernière UR, on en a quand même une 4. Donc voilà, il est venu en SSR et en UR. Les OR, qui sont ma rareté favorite de Naruto Kaiu, parce que je trouve les cartes, les effets dorés tellement magnifiques. J'aime beaucoup la petite Rock Lee et forcément... La deuxième, je pense que c'est ma carte favorite que j'ai obtenue. Bon, peut-être pas comparée au MR, mais en termes de rareté OR et tout, AR, celle-là, elle est incroyable. L'effet blanc autour d'Obito,
L'effet sur le 4 tonnes, la carte est vraiment magnifique. La petite AR, on en a eu une, et c'est le GOAT. C'est Itachi, donc je suis très content de l'avoir. Je l'avais pas du tout avant, donc ça va directement dans la collection. Et pour terminer, forcément, les TGR, qui sont un peu la spécialité de cette box. Donc on a eu la Kakashi, donc ça vous l'avez déjà vu. Ensuite, on a eu la petite Minato, je vous l'avais pas montré. En troisième position, le Sasuke avec les deux Sharingan, donc là, vous l'avez bien vu. Le petit Pain, plutôt stylé. Franchement, c'est peut-être ma préférée. Ah, quoique, il y a quand même la Naruto avec son petit Rasengan. C'est des cartes en chibi, mais au moins, je les ai. Et pour la dernière, la petite Tobi. Est vraiment très très belle aussi. On restera quand même sur une belle note. Ma carte favorite, en tout cas, s'il y en a qui sont pas encore abonnés à la chaîne, pensez à vous abonner avec la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos, parce que forcément, il y aura encore du Naruto Kaiu. Rien que pour cette carte, je compte sur vous pour fracasser les pouces bleus. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo, les potes. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it.